Voilà, donc fin de la première de Zig Bazaar. Et c'était un bon moment pour nous. C'est un spectacle qu'on nourrit depuis maintenant 2 ans. Donc il y a un travail à la fois musical autour des musiques traditionnelles, puisque Bruno joue les instruments de percussion traditionnels, autour du langage, beaucoup de choses autour du langage. Et on parle japonais, chinois. Enfin, il se passe beaucoup de choses au niveau des sonorités de la langue. Une exploration aussi des instruments insolites. Alors il y a de la scie musicale, des claquettes en même temps que de la clarinette, des plombinettes, voilà, des clarinettes en tuyau en plastique, des arrosoirs musicaux. Voilà, donc c'est un projet un peu insolite avec, avec beaucoup de matériaux que nous, avec Bruno Desmoulières, sur lesquels on a travaillé depuis plusieurs mois maintenant, et que Caroline Loeb a mis en scène pour ce spectacle Zig Bazaar. Je suis avec mes clarinettes, mes Tosca, l'instrument que je joue, donc la Tosca en si bémol, Green Line, et la Tosca mi bémol, aussi Green Line. Donc les instruments qu'on utilise dans le spectacle. Comme il y a une couleur assez traditionnelle, voilà, on utilise tous les aspects possibles de la clarinette, c'est-à-dire dans un répertoire de musique de l'Est, par exemple très virtuose. Donc je garde mes instruments que j'utilise dans les concerts classiques. Et la petite clarinette, c'était aussi pour faire le pendant à la grande clarinette, à la si bémol. Et voilà, il y a tout un texte aussi sur les instruments transpositeurs. Cette clarinette-là est en si, tandis que cette clarinette-ci est en mi. Voilà, j'espère voir beaucoup de gens à Avignon pour ce spectacle dont la première officielle sera le 8 juillet à Avignon. Donc venez nombreux.